nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Aujourd'hui, je vous présente un roman 100% algérien, un chef-d'œuvre de la littérature algérienne. On ne peut aborder cette littérature sans parler de Nejma. Tahjaout a dit que Nejma est sans conteste le texte fondamental de la littérature algérienne de langue française. Nejma, qui signifie l'étoile, c'est une œuvre secrète, qu'à chaque fois, elle vous donne des pistes de réflexion et d'interprétation. Un roman symbolique par excellence. En fait, dans ce roman, on trouve plusieurs protagonistes. Mais l'histoire tourne autour de cinq personnes. Nejma, Mustapha, Mourad, Lakhdar et Rachid. Nejma est la femme dont ils sont tous amoureux. Au fil du roman, les protagonistes découvrirent qu'ils partagent les mêmes origines. Ils sont tous descendants d'une tribu algérienne ancestrale, les Kebloti. Nejma est une fille métisse d'un Kebloute et une Française. La question d'identité se met en cause. Mais allons, au-delà d'une simple lecture et d'une histoire ordinaire, l'auteur de ce texte met en évidence plusieurs thèmes, tels que l'identité, l'amour et la haine, le paradoxe et le doute, le rêve et la réalité amère, l'espoir et la crainte. On remarque que c'est une œuvre symbolique. L'intitulé du roman, les personnages et leurs situations, les lieux et le temps, la société et les origines ne sont que des symboles d'une nation cachée dans une intrigue.